Taoki, page 98. Révision. Révision. Dis si tu entends est, et ou o. Exemple. Une chaîne. Entends-tu le son est? Oui, on entend bien le son est. Chaîne. Jaune, jaune, on entend le O, jaune. Un panier, panier. Panier, on entend bien le son E, panier. Une autruche, autruche. Le son que l'on entend, c'est le O. Un clocher, clocher, on entend deux sons, le clo, o, ché, et. Un calendrier, on entend bien le son et, calendrier. Un drapeau. Drapeau, on entend le son O. Et enfin, le dernier objet, c'est un peigne. Peigne. On entend le son E. E. Peigne. Ensuite, dis la première syllabe de chaque mot. Une trompe, trompe. La première syllabe que l'on entend, c'est tron, trompe, tron. Ensuite, ici, on nous montre une manche, manche. La première syllabe que l'on entend dans ce mot, c'est man, 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 che. Ici, nous avons une flaque, une flaque. Ici, nous avons un gland, gland, gland. C'est la première syllabe, gland. Ensuite, une plante. Plante. La première syllabe que l'on entend, c'est plan. Plante. Une brouette. Brouette. Une brouette. La première syllabe que l'on entend dans ce mot, est bien le brou. Brouette. Ceci est une fraise. Fraise. La première syllabe de ce mot est le frais. Fraise. Et ensuite, le dernier mot, grelotter. Grelotter, c'est avoir froid. Gre, c'est la première syllabe. Gre, grelotter. Ensuite, lis les syllabes, lis les syllabes. Plou, ré, trois. Mot, glon, nez, bras, saut, clé, ré. Frais, blanc, goût, lin, bleu, jus. Faux, ré, dro, plan. Taoki, page 99. Lis les mots. Jaune, jaune. Bronzé. Le panier.
le panier. Embrasser. Embrasser. Treize. Treize. Le nez. Le nez. Le crapaud. Le crapaud. Assez. Assez. La baleine. La baleine. Un bonnet. Un bonnet. L'aile. L'aile. Ensuite, lis les mots outils. Les mots outils. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais travailler. Aujourd'hui, je vais me balader. Maintenant. Maintenant, je vais regarder la télé. Maintenant, je vais manger. Vers. Vers la maison. Vers ce chemin. Rien. Rien. Je ne veux rien. Il n'y a rien. Autre. Une autre couleur. De l'autre côté. Devant. Devant la porte de ta maison. Devant moi. Toujours. Toujours être positif. Je souhaite toujours apprendre. Depuis. Depuis longtemps, je suis content. Depuis un bon moment, je suis heureux. Alors. Alors, tout va bien. Ensuite, lis l'histoire de Taoki pour profiter des pistes blanches tout le monde et aller en altitude dans les Alpes. Pour profiter des pistes blanches, tout le monde est allé en altitude dans les Alpes. Les Alpes, c'est une montagne. Mais il est temps de se préparer. Mais il est temps de se préparer après avoir installé les affaires dans le chalet. Hugo, Lily et Taoki ont enfilé les vêtements indispensables contre le froid. Après avoir installé leurs affaires dans le chalet, Hugo, Lily et Taoki ont enfilé les vêtements indispensables contre le froid. Qui sera le champion de la glisse? Qui sera le champion de la glisse? Bosse, saut, chute, c'est la folie sur les pistes. Bosse, saut, chute, c'est la folie sur les pistes. Tout est bon pour une bonne partie de rigolade. Tout est bon pour une bonne partie de rigolade. Taoki rit comme un fou. Taoki rit comme un fou. Même pour les promenades vers les sommets, il est
toujours le premier. Taoki rit comme un fou. Même pour les promenades vers les sommets, il est toujours le premier. Et le soir, près de la cheminée, il raconte des histoires de chez lui et passionne ses amis. Et le soir, près de la cheminée, il raconte des histoires de chez lui et passionne ses amis. Reprenons. Pour profiter des pistes blanches, tout le monde est allé en altitude dans les Alpes. Mais il est temps de se préparer. Après avoir installé leurs affaires dans le chalet, Hugo, Lily et Taoki ont enfilé les vêtements indispensables contre le froid. Qui sera le champion de la glisse? Bosse, saut, chute. C'est la folie sur les pistes. Tout est bon pour une bonne partie de rigolade. Taoki rit comme un fou. Même pour les promenades vers les sommets, il est toujours le premier. Et le soir, près de la cheminée, il raconte des histoires de chez lui et passionne ses amis.